professeur que nous recevons aujourd'hui est le violoncelliste belge Luc De Wey. Il a obtenu ses diplômes au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles et s'est perfectionné ici même à la célèbre chapelle musicale Reine-Élisabeth. Il se produit régulièrement en soliste, accompagné d'orchestres symphoniques et également en musique de chambre. À 29 ans, il est nommé professeur dans cette même discipline au Conservatoire Royal de Musique de Mons. 2 ans plus tard, il accepte de reprendre la classe de violoncelle qu'il gardera 11 ans, avant de revenir à la musique de chambre. Parallèlement, il est chef d'orchestre et occupe la place de directeur de l'Académie de musique de Rixensart. Bienvenue. Je suis très heureux de vous recevoir dans Clé de Fa. Alors, justement, c'est un lieu que vous connaissez bien, la chapelle musicale, étant donné que vous y avez été élève et qu'actuellement vous y êtes professeur. Alors, dites-nous un petit peu comment se passent les cours ici à la chapelle musicale. Avant de parler des cours, je crois qu'il faut parler de l'arrivée à la chapelle musicale. C'est une institution qui n'accueille que 10 étudiants pour une durée de 3 ans, donc ce qui veut dire qu'il y a une sélection terrible au départ, puisqu'on prend un violoncelle, éventuellement deux, quelques violons, quelques pianos, alto, tout ça pour seulement 10 élèves. Donc c'est une sélection extrêmement difficile, extrêmement rude. Et je crois qu'un élève qui entre ici en tant qu'étudiant pour les 3 années, c'est déjà quelqu'un qui a une technique et un talent affirmé. Également une magnifique carrière comme soliste et chambriste dans des formations réputées telles que le trio Arthur Grumio ou le Bruxelles String Quartet qui était également l'ex-quatuor de La Monnaie. Et je voulais en fait un petit peu savoir qu'est-ce qui vous avait amené à également devenir directeur de l'Académie de musique de Rixensart. Ah, bonne question. En fait, je pense que avant de devenir directeur de cette académie, j'ai toujours dit que je ne voulais pas être directeur. Et c'est vraiment la création d'une académie très proche de chez moi, Rixensart, qui a fait qu'on m'a demandé de devenir le premier directeur fondateur de cette école. Et après avoir une première fois refusé, finalement, je me suis dit que ça pouvait être une expérience qui méritait d'être vécue. Et je ne pense pas qu'au départ, j'avais l'idée que je resterais longtemps dans cet établissement. Mais finalement, maintenant, il y a 13 ans que cette académie
est né et j'y suis toujours et je m'y plais beaucoup finalement. Quelque part, vous vouliez lancer la machine en fait. Mais c'était ça qui m'intéressait principalement. J'ai toujours eu du directeur d'une académie une idée assez péjorative d'un gratte-papier, d'un administratif. Et en créant une académie, je pouvais dès le départ lui donner un regard, lui donner un souffle différent. Et la grande chance que j'avais, c'est que je pouvais choisir tout un corps professoral. Donc en 1988, j'ai choisi 25 professeurs et je les ai tous pris parmi des jeunes que je connaissais au Conservatoire de Mons, la plupart. Et j'ai donc pris seulement des gens pour qui j'avais de l'estime et en qui je croyais. Et pour avoir un corps professoral, à mon avis, jeune et dynamique. Et ça a réussi puisque cette académie est jeune et dynamique et qu'il y règne une très très bonne ambiance. Puisque vous êtes directeur d'académie, j'ai une question assez importante, à mon avis, à vous poser. J'ai le sentiment que les études musicales pour les enfants, par exemple en académie ou dans d'autres centres, deviennent plutôt à l'heure actuelle une sorte d'activité parmi d'autres, placée plus ou moins entre, par exemple, l'équitation et le tennis. Et personnellement, j'ai une frayeur à ce sujet, comme quoi peut-être cela pourrait représenter une menace ou un danger pour le futur justement de la vie musicale en Belgique. Mais je crois que vous avez tout à fait raison. C'est vrai que l'académie actuelle n'est plus considérée comme un enseignement qui se devait de préparer quelques élèves à une carrière ou à une entrée au conservatoire. Maintenant, l'académie est un établissement qui s'adresse à, je vais dire, toute une population qui est intéressée, qui est avide d'approcher l'art, que ce soit l'art de la parole, de la musique, de la danse. Ce sont les trois spécialités que nous donnons à Rick Sansard. Je crois que ça n'empêchera pas les véritables talents de s'épanouir, mais à contrario, l'académie a une population beaucoup plus large de gens qui apprennent à connaître l'art et qui seront probablement le public des quelques-uns qui iront au conservatoire. Nous formons non seulement de bons élèves, nous formons aussi un public et de gens sensibles à la chose. On peut dire que les gens qui sortent des conservatoires sont devant des difficultés énormes et insoupçonnées de pouvoir gagner leur vie. Je suis directeur d'une académie, je reçois des dizaines et des dizaines, des centaines de candidatures de gens qui sortent des conservatoires et qui vont se trouver sans boulot. C'est très clair qu'il y a actuellement un très gros problème. Au niveau des orchestres, il est clair que les orchestres ne recrutent plus localement ou nationalement comme par le passé. Maintenant, quand vous avez une place, on le sait, dans le monde entier, et des gens se présentent de partout pour venir prendre une place à l'orchestre de Liège ou à un orchestre bruxellois, peu importe. Et le musicien belge, maintenant, est confronté à la planète entière, si je puis dire. Et là, il est grand temps qu'à ce niveau-là, il y ait des mesures qui soient prises pour que le niveau s'adapte, le niveau des étudiants s'adapte à ce que les orchestres attendent maintenant de leurs musiciens. Et puis d'un autre côté, en ce qui concerne l'enseignement, bien, il va y avoir maintenant une période noire, je crois, durant laquelle les jeunes ne vont pas trouver d'emploi, ça c'est clair. Vous jouez sur un magnifique instrument. Quelle est son origine ? En fait, vous le savez, je suis un pince sans rire et j'ai commandé cet instrument à Venise en 1755 à monsieur Bartolomeo Tassini, un luthier que je connaissais bien, que j'appréciais beaucoup. Et j'ai retrouvé cet instrument en 1988 à Londres chez monsieur Beer et c'est là-bas que j'en ai pris livraison. En fait, c'est un très très beau violoncelle qui est dans un état de conservation exceptionnel pour un instrument qui a 250 ans. Et je dois dire que je suis très fier de jouer sur un instrument de cette qualité parce que c'est très difficile à notre époque de trouver des instruments aussi anciens, surtout dans un parfait état comme cet instrument l'est. Et c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'offrir de jouer sur une machine pareille. Alors dites-moi, quel est votre dernier coup de cœur musical ? Je vais vous surprendre. Je n'avais jamais joué la sonate de Rachmaninoff, la sonate pour violoncelle et piano, et ça faisait longtemps que Luc De Vos me disait qu'il fallait absolument que je joue cette œuvre, que nous la jouions ensemble, parce qu'elle était extraordinaire. Et donc, à l'occasion d'un concert, j'ai programmé cette sonate et j'ai vraiment découvert une œuvre extraordinaire, d'une beauté fabuleuse. Et j'ai vraiment un plaisir
fou à la jouer. Alors mon coup de cœur, il va se concrétiser par un CD que nous allons enregistrer très prochainement. Et il sera couplé avec la sonate de Frank Bridge, qui est une musique que je trouve extraordinaire. Donc on va faire un couplage extraordinaire. Eh bien, je vous remercie infiniment, Monsieur Dewey, et je vous propose maintenant de partir à la découverte justement de votre élève, Nicolas Deletaille, qui est pensionnaire ici à la chapelle musicale Reine-Élisabeth. J'ai commencé le violoncelle à l'âge de 4 ans, à l'académie de Berkheim-Sauttaget. Et j'ai continué ensuite à l'académie de Soigny, à l'académie d'Enghien. Je suis rentré en 1993, conservatoire de Mons, pour le violoncelle chez M. Dewey. Et là, j'ai fait un premier prix, puis 2 années de diplôme supérieur, avant de rentrer ici à la chapelle musicale Reine-Élisabeth. J'ai choisi de rentrer à la chapelle musicale après le conservatoire parce que la chapelle permettait de vivre gratuitement dans des excellentes conditions de travail, de jour comme de nuit, et pour la renommée de la chapelle. C'était un enseignement supérieur à celui du conservatoire et qui permettait de travailler donc beaucoup pendant 3 ans. Je continue à travailler le violoncelle pendant les vacances, puis je vais directement à New York pour étudier 2 ans. En classe de Timothy Leddy. Alors, j'ai d'autres projets. Je vais préparer l'un ou l'autre concours l'année prochaine. Je vais travailler aussi la sonate arpeggione de Schubert sur arpeggione. Et on verra à ce moment-là. Maintenant que les présentations sont faites, nous retrouvons Luc Dewey et son élève pour une masterclass dans la grande salle de la chapelle musicale. Tu vois, je trouve dans l'ensemble qu'il n'y a pas encore assez de contraste dans les nuances, dans les effets. Par exemple, ici, déjà le coup d'archet t'a mis en problème parce que tu coupes le coup d'archet là. Mm-hmm. Ça va pas parce que tu as un grand crescendo à faire, puis tu fais un trou qui n'est pas marqué. Donc là déjà, il faut trouver une solution. Moi, je commencerai en tirant. Bah oui. Alors, on doit faire des gâteaux, ça. Ah ben, il faut arriver à le faire, quoi. Il faut arriver à trouver une solution pour faire ce legato et arriver à la pointe. Et alors, à ce moment-là, tu fais un grand, grand crescendo et tu retombes sur la nuance. Autrement, tu ne sais pas le faire. Ou alors, tu ajoutes un vide qui n'est pas écrit, donc ça ne va pas. Tu essayes en tirant. Essaye de ne pas soulever l'archeti. Yorero. Astuce, il faut arriver à encore faire un crescendo après le forte. Donc, deux, tu fais un forte et continue. Et je me demande s'il n'est pas une possibilité de repousser l'archet. Il y a tout de même un petit coup d'archet entre parenthèses qui te permet éventuellement de repousser. Fais encore un petit peu ce machin. Enfin, la famille. Et là, on est dans un mezzo. Piano, donc on a déjà une nuance un peu établie. Hein. Puis on a un piano. Et je continue. J'essaye en tout cas de le continuer.
Un peu encore. Oui. Essaye de ne pas soulever. Et puis crescendo, ok? Ne soulève pas, essaye. Deux, trois. Continue, continue d'ailleurs. Il faut reprendre la nuance. Hein. Et vas-y. Oui. Il faudra que ce soit un peu spectaculaire. Et je prends très bas ici. Je sens déjà que là-dedans, on ne doit pas être bloqué par le tempo 54. Ça. Je crois qu'il faut aller au-delà des notes et du papier. Il ne faut pas avoir peur d'interpréter. Et qu'est-ce que tu fais ici, par exemple Je crois qu'il y a une accélération naturelle. Hein. Je ne sais pas. Quand tu te laisses aller dans le tempo, les choses deviennent plus logiques. Par exemple, tu trouves mi fa la, mi fa ta di dam, ta da dam. Et l'autre vient naturellement à ce moment-là. Allez, vas-y, fais un peu la deuxième ligne. Là. Mi fa mi. Ici, on va le chercher de manière lyrique. Encore une fois, au début, on essaie de remettre tout ça en une seule phrase. Et alors, le point d'orgue est intéressant. Je crois qu'il n'y a pas assez de débit. Mon archet avance. Hein. C'est ça qui crée une tension dans l'onde. Essaye de faire un peu ça. Oui, il faut arriver à deux fois là. Deux fois là, exactement la même intensité, la même intention. Je pense tout ce début, à part double forte, sempre et accent, il n'y a rien d'autre. Donc, à mon avis, on doit avoir vraiment toute l'énergie que tu as en toi, tu dois la projeter sur ça. Après, on passe dans d'autres registres, double piano, alors là, on aura l'occasion de faire autre chose. Et ce la bémol, je reviens encore, fais-le de manière lyrique et un peu allongé. Long point d'orgue. Pi, po, pi, a, pi, a, pe, a, pi, po, a. Plus une lame. Il faut qu'il y ait une attaque qui est celle du sforzando. Et un bruit épouvantable. Mais déjà, tu pars là. Hein. Donc, t'es un peu déjà dans le mou de l'archet. Pars. Un vrai ponticello. Un lait. Oui. Mais je crois qu'il y a une raideur qui fait que tu pars comme ça. C'est... Essaye de le prendre. Il y a un coup de trompette là sur mon... Oui, il faut un petit peu... L'archet est trop vite là. Il y a un poids que je lâche après. Hein.
fallait mettre ton archet dans le cordier, ça va me rappeler quelque chose. Ok. Ouais, ça c'est difficile, hein, le... Mais alors, il y a ceci. C'est l'occasion, c'est marqué, autant en profiter. Et ça, c'est pas assez intense. Moi, je viendrai sur la quatrième position. Pour éviter. Oui. Peut-être même le sol harmonique, on sait jamais. Oui. T'es pas assez charmeur. Oui, moi non plus. Faut garder ça. Ouais, super. Voilà, voilà. Le maître est vaincu. Tu le sais, il faut intéresser le public, il faut amener quelque chose, le public qui se déplace, il faut lui donner quelque chose. Et je pense que... Tu lui apportes pas grand-chose, je crois qu'il faut... Il y a du reste des indications de... moins fort. Oui, bien sûr, ça peut. Ça. Tu choisis. Il n'y a pas qu'une solution. La musique est faite d'interprétation. Les deux sont bons. Voilà, on a la chance d'avoir le compositeur Chris Hulbrand, compositeur de cette pièce Micrologica numéro 2. Et bien, on a travaillé avec Nicolas sur la partition. Et maintenant, nous allons avoir les commentaires du compositeur pour nous dire si nous avons effectivement respecté et trouvé les lignes conductrices. Oui, absolument. En fait, je suis très heureux par beaucoup de choses déjà. Je pense, sur un moment, vous étiez sur une piste très intéressante. Je ne me rappelle plus très bien où exactement, mais à un certain moment, vous disiez qu'il ne faut pas s'attacher trop au texte même, mais se laisser aller et vraiment pas respecter trop chaque triolet ou chaque double croche, mais vraiment chanter. Oui, mais chercher à faire... un tout avec tous ces éléments qui sont fort précis finalement. C'est ça. Mais dont on doit simplement s'inspirer et trouver. Oui, oui, voilà. Et à propos de cette nuance ici sur laquelle on a cherché, donc Nicolas m'avait proposé une interprétation un peu plus viennoise, a-t-il dit. Moi, j'étais un peu plus brutal. Qu'est-ce qui semble être la vision du compositeur? Brutal n'est pas le bon mot pour cette mesure-là. Mais c'est le crescendo. Mais hein, c'est surtout. Est-ce que le do est vers le crescendo, vers le double forte? Absolument. Il introduit le fortissimo. Oui. Donc quelque part, le départ très soft et puis le grand il crescendo. Il mène vers. Oui. Donc ça, c'est un petit truc à retenir. Donc il semblerait que ta vision des choses soit pas. Mais
Je pense de toute façon que tout se défend. S'il a envie de faire quelque chose d'un peu plus léger, du moment que c'est persuasif, tu es dans le bon, de toute façon. Donc c'est un peu à toi à voir comment tu le sentiras à ce moment-là. Et puis, voilà. La clé de face est finie pour aujourd'hui. Et on se quitte avec Luc Dewey et son partenaire pianiste, Luc DeVos, dans le final des Fantaisies Stuck de Robert Schumann.